Bonjour à toutes et à tous, je fais cette petite vidéo simplement pour vous remercier et vous confirmer qu'après un peu moins d'un an d'existence, de On ne vous demande pas d'y croire et de plus de 40 émissions, je suis toujours aussi motivé, intéressé et passionné par l'invisible et l'inexpliqué. Alors je tenais à remercier Jean-Toussaint Casanova qui était au début de l'aventure et qui avait accepté de faire le pilote de l'émission. Je remercie aussi Vanina Chirinski pour sa disponibilité et qui est revenue deux fois. Je remercie aussi par ordre de passage tous mes invités, Laurent Labbé pour la médecine chinoise, Cécile Debanne, la chamane, Stéphane Flamincourt et la méthode Cormiroir, Brice Guillon pour l'hypnose, Corinne Lebras et la bioénergétique, Annie Guillermin pour la méthode santé humaniste, Martine Jean-Perrin et la lithothérapie, Tatiana Santine pour la méthode Access Bar, Laetitia Romanet, la conteuse, Jean Labbé, le créateur de Body Hypnosis, Françoise Ruet, l'hypnothérapeute, Lydie Christine Tadei pour le Lao Chi et la transcommunication instrumentale, Regina pour la voyance, Tristan Casabianque et le mystère du linceul de Turin, Isabelle et ses capacités extrasensorielles, le couple néo-zélandais Sila et Rocco et leur Access Consciousness, Laurine la médium spirit, Hélène la numinothérapeute, Pénélope Jappel pour la méthode Poyet, le docteur Dawantari et le docteur Nidhi venus d'Inde pour nous parler de la médecine ayurvédique, Jean-Jacques Burtin, l'hypnothérapeute, Anne Dobzinski et le Vastu Shastra, Touria Ménoir et le coaching vers l'arrêt du tabac, Thierry Corbalan, le dauphin corse pour le dépassement de soi, Nathalie Tiarone, la naturopathe, Marina et Jérémy Sanchez pour le chamanisme et la guidance, Sophie Vital pour la voyance et la médiumnité, Mylène pour la réflexologie, Dominique Vallée pour la médiumnité, Céline pour la pratique du chatsu, Christine Sorabel et le dianchan, Mathieu Tramon pour l'iridologie, Cathy Bale et l'astro-coaching, Cécile Escott-Sauveton et Bernard Berger pour la réincarnation et la dernière vidéo de l'année avec Indri Lapierre pour la régression dans les vies antérieures par la médiumnité. Alors voilà, c'était un peu long, mais quelle année très riche en rencontres et en enrichissements spirituels. Je peux vous dire que l'année 2020 s'annonce très bien avec des invités passionnants. Bien sûr, je vous remercie aussi à vous, vous qui suivez mes émissions, ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, les curieux qui tombent sur un sujet qui les intéresse, ceux qui soutiennent financièrement ma chaîne, ceux qui commentent les vidéos et alimentent le débat. Merci, merci, merci. Je vous souhaite à toutes et à tous le meilleur pour cette nouvelle année. Et comme on dit chez nous, bon Nadal et pace salut à toutes.